Nous sommes le samedi 15 août 2020 et je suis parti là sur les hauteurs de Rocroy faire une balade en forêt sur un chemin que je connais pas. Donc je vais découvrir hein, et puis vous allez aussi découvrir avec moi. On verra où ça nous mène tout ça. Je n'ai pas regardé de carte. J'aime bien partir moi à l'aventure. Allez, on découvre ensemble. Alors, malgré la sécheresse, hein, en ce moment, hein, il n'y a pas eu beaucoup de pluie hein, ces derniers temps. Hein. Et ben, on a un petit ruisseau qui coule comme ça, dans les bois, et ça amène un peu de fraîcheur, c'est bien agréable. Alors, partant de là, ça grimpe. Alors, je vous dis pas, hein, je vous raconte pas. Les senteurs de la forêt, des sous-bois, en cette période. Et en raison du fait qu'il est encore tôt et que le soleil n'a pas donné, je vous dis pas ce que la terre dégage comme parfum, les arbres. C'est magnifique. Il y a ici des airs de Provence et de Garrigue. Alors en fait, c'était un faux plateau. Tu crois que t'es arrivé, et puis tu t'aperçois qu'au bout du chemin là-bas, ça monte encore. Donc voilà, les copains. Après 2 heures de marche, en partant de la place de l'Argentine, là, qui se trouve sur la route entre Fumet et Rocroy, après 2 bonnes heures de marche, donc, je disais, vous arrivez au site de Revin-la-Falière. Donc on est au-dessus de Revin, et c'est magnifique, hein. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un bruit, c'est merveilleux. Tout ce que j'aime. Allez, on découvre. Donc voilà donc l'arrivée sur le site de Revin-la-Falière. Hein. Site de parapente, il n'y a personne aujourd'hui. Hein. On est le 15 août. Et le vent n'est pas très favorable. Il y a un peu de vent, hein. C'est pas désagréable d'ailleurs. Voilà le site de Revin-la-Falière, le site de parapente. Bon, alors aujourd'hui, très simple, hein, j'ai pris tout ce qui se transporte et se garde facilement avec les températures. Donc une bonne boîte de sardines, un bon bout de fromage, une pomme. Hein, ça sera meilleur ce soir, mais là, petit casse-croûte dans la nature. Hein.